gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière de l'enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Un jour, les apôtres étaient assis à discuter d'un point qui les préoccupait. Voyant Jésus s'approcher, ils lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus s'assit à son tour et prit sur ses genoux l'un des enfants qui se tenait près d'eux. Il dit à ses apôtres « Il faut devenir aussi humble que ce petit enfant pour être le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui se soucierait d'un enfant se soucierait de moi aussi. Mais celui qui maltraitera un enfant commettra un acte terrible. » Veillez sur les enfants comme un berger veille sur ses moutons, dit encore Jésus. Voici d'autres paroles que Jésus a dit sur les enfants. Ne méprisez aucun de ces petits. Leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père. Si quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux qu'on lui attache une grosse pierre au cou et qu'on la jette au fond de la mer. Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. De plus, Dieu aime quand les enfants prient. Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aide chacun de nous à éduquer, à équiper et à rendre les enfants capables de te parler et de t'écouter dans la prière. Donne-nous les occasions de montrer ton amour et ta puissance aux enfants de notre entourage, que les enfants vulnérables qui vivent des choses difficiles se rapprochent de toi par la prière et parlent de toi autour d'eux. Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Au revoir.